C'est vous le reporter? Harold Collet du Tatler. Je couvre les histoires de corruption de des radios. Je pense pas que citer des noms de l'organisation de Marcano soit bon pour la santé. Vous n'êtes pas au courant? Même la fumée de cigarette tue. Voilà ce que je sais. Certains dignitaires de la ville touchent des pots de vin. Chantage, infos juteuses. Au milieu de tout ça, il y a un type, Francky Bernard. Le problème, c'est que je ne sais pas d'où il opère. Ça pourrait compliquer les recherches. Ah, mais le truc, c'est que Bernard utiliserait des boîtes aux lettres mortes, des endroits où ces gars laissent les pots de vin à l'attention de dignitaires. Et je sais où elles sont. Je sais aussi que Francky garde un récapitulatif de toutes ses opérations pour les faire chanter. Je vais voir si je peux persuader un des coursiers de me révéler l'emplacement de votre corbeau. Et aussi l'emplacement de sa planque. C'est entouré d'hommes aussi discrets que lui. Il faudra trouver un moyen de les faire parler. Disparaissent dans le bayou pour moins que ça. Ah, hé, t'as entendu ça? Salut, mec. J'arrêterai jamais de chercher. Putain de merde! C'est l'occasion, je t'en veux! Tu vas me dire tout ce que tu sais sur Francky Bernard. Monsieur Bernard a des coursiers qui déplacent la marchandise. Tout ce que je sais, c'est le modèle de bagnole qu'ils conduisent. Je pourrais avoir besoin de toi. T'éloigne pas. Permis de me parler, Nero. Ça a fait un peu de fric pour certaines personnes. Personne n'a jamais été en tôle pour avoir eu un peu de blessure. Ne fais pas le con et tout tire. Chopez ce sale abruti. Je tire. Je tire. Fichez le con de là. Repose ton cul, on part en balade. Attends, attends, qu'est-ce que tu fous? Tu vas me dire tout ce que tu sais sur Francky Bernard. La vache. Dans la zone. On nous dit. Alors prends-la, putain! Francky Bernard, comment il fait son beurre? Le patron tire les ficelles depuis la station thermale impériale. Là-bas, il y a un paquet de photos cochonnes pour faire chanter les politiciens. C'est à moi que tu dois des comptes. Intellectuel, le type intellectuel conservateur. Ils ont l'air de redécouvrir la Constitution toutes les quelques années. Une nouvelle religion. Et Dieu nous préserve. C'était quoi ça, putain? Quel incroyable
vérité nouvelle qu'il a découvert dans les textes sacrés. Je suis pas trop fier de ça. Attention. Hé, hey, doucement. À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, abandonnez les recherches, retournez patrouiller. Tant que ta famille se porte bien. Expédier Barbieri, c'est plus facile que de virer toutes ces publicités merdiques alors. Vous avez emménagé? Ouais, mais ça a été un soir. Le premier soir, il n'y avait pas une ampoule qui fonctionnait. Pas une. Il y avait plein de gros brio. Et comment? Mais il n'en avait rien à carrer. Il m'a dit d'aller en acheter des neuves à la boutique du coin et de les payer de ma poche. Qui sait? C'est pas vrai. Je tire! Je tire là! Ces conneries. On va se pointer à la prochaine réunion des parents d'élèves et on verra la tronche qui tire. Arrête de Attention. Trouve ce connard. Tu sortiras jamais d'ici, mec. Ouais, bien sûr. Va te mettre. C'est lui. Allez-y. Regardez qui voilà. Appelez la police. Ah, j'étais prêt. Mais en fait, non. On va à couvert. Sortez de là. Non. Sortez de là. Je dois débarrasser-vous. Arrosez-le depuis l'autre côté. Il est là. Connard. Viens, ce mec est fort. Je me mets à couvert. T'es pas si... Ah, bordel. Chopez-le. Ouais, t'aimes ça, hein? Je suis touché. Et merde! Tu vas dérouiller.
désolé. Je ferai tout pour arranger les choses. Tout. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est quoi ce bordel? Quelqu'un. Monsieur Deradio. Je suis désolé. Dites à Monsieur Deradio que je ferai tout pour arranger les choses. Tout. Rien. Alors essaie de voler, espèce de sac à foutre. T'as rien à faire ici. Les recherches sont annulées. C'est chaud pour ce pauvre Frankie, cette histoire dans les bains. Désolé, mauvais jeu de mots.
En tout cas, Tony DeRadio a du mal à contrôler les politiciens de la ville à cause de vous. Et c'est pour ça qu'il a ordonné à Frankie de garder un œil sur les impériales. Dans ce genre de situation, le moindre faux pas est mortel. Comment vous allez gérer Frankie? La balle est dans son camp. Eh, je pourrais vous filer le train? J'ai ma caméra dans la voiture. Si vous voulez remuer un peu plus de merde, prenez sur votre temps libre. J'ai mieux à faire que de trimballer un fouille-merde partout en ville. Ça va, j'ai compris. On se voit plus tard. Sous la porte, mais attention. Ce qui continue de se passer à la radio. Je croyais que Frankie t'avait chargé de collecter l'argent. Si un type commence à descendre, va pleurer ta mère. Il est là. Bon sang. Ça finit toujours par tomber. Je vais aller vérifier. La dernière volonté de ma mère a été que j'aille quitter. Et je suis pas du tout. Et ma mère. Ma mère, la maman d'André, on a grandi ensemble. Hein? Vous avez vu ça? Bizarre. Je me dis qu'il serait temps d'élargir ta clientèle, Frankie. Tu crois que tu pourrais suivre? Ouais. En revanche, ça m'étonnerait que Tony D apprécie. DeRadio, c'est mon problème. Contrôle le centre-ville. J'ai besoin d'aide pour le tenir. Bien sûr, Lincoln. Mes hommes sont en chemin.
comprends pas tomber. Barbieri a mis la clé sous la porte, mais ces publicités grotesques continuent de passer. C'est pas mal comme endroit. Je repasserai bien plus tard, histoire de prendre un bain de vapeur. Ça t'apporte quoi ? Du pognon et absolument rien d'autre. Non, non.